cerveau du groupe. Comment ai-je pu accepter? Pierre errant, n'est-ce pas? Toutou, c'est moi. Mais tais-toi, ça commence. Ouais, c'est comme ça, c'est que ça me va. Tout ce qu'il nous faut est tutti quanti pour l'événement de ce printemps. Ici, ça va swinguer, bondir et balancer. On va tout décorer pour ce grand zoo. Nous serons prêts pour Pâques, comme toujours. Et nous aurons ce jour épique de Pâques sous le soleil, des œufs doubles, des bonbons au miel. Mais de toutes ces douceurs, ces petits œufs en couleur, pour moi, ce que je préfère avant tout, c'est passer le jour de Pâques avec vous. Dis-moi encore, Tigrou, dis-moi encore. Oh, d'accord, mon petit pote, j'ai oublié de te dire le plus important, Tesque. Car ce que j'aime le plus en ce jour de Pâques, c'est montrer à ceux que j'aime que je les aime. On s'amuse et l'on rit avec tous ses amis. On partage les merveilles de ce bonjour et pique pas sous le soleil. C'est ce tout bleu, c'est bonbon miel. Mais de toutes ces douceurs, des petits œufs en couleur. Pour moi, ce que je préfère avant tout, c'est passer le jour de Pâques avec vous. Avec vous. Une fois rentré, il raconte à Grand Gourou comment s'est perdu Petit Gourou. Petit Gourou, ce n'est pas bien du tout. Tu avais promis de ne pas t'éloigner de Tigrou. Je sais, maman, excuse-moi. Et excuse-moi de ne pas avoir assez surveillé mon petit copain. Bon, l'important, c'est que vous soyez là tous les deux. Oh, je suis si contente de vous voir tous à la maison. Maman, à partir de maintenant, je resterai toujours à côté de mon copain. Car les copains sont toujours ensemble. Quand on est camarade, c'est en haut, en bas, des glissades. Quand on se rassemble, on est plus heureux. On fait tout ensemble, deux par deux. Ce n'est pas n'importe qui car c'est mon ami. On est du même bois, moi et lui. La vie est belle, on va main dans la main. C'est le meilleur des copains. Oui, c'est le meilleur des copains. Très bien, les amis. Qui veut venir manger des airelles avec de la crème fraîche? Et depuis ce jour, Tigrou et Petit Gourou tiennent leurs promesses. Et Petit Gourou ne s'aventure plus tout seul dans la forêt. Mais je reviendrai bientôt avec des chansons, des histoires. Nous amuserons bien. En attendant, si vous le permettez, j'ai moi aussi un petit poème. Chez Winnie l'ourson, il y a des histoires, mais moi je vous dis bonsoir. Au revoir. C'est le moment de partir avec le sourire dans la maison de Winnie. Aujourd'hui, salut les amis, rendez-vous bientôt chez Winnie. Rendez-vous bientôt chez Winnie. Le Disney Channel continue à 20h30.
Pour un maître chocolatier, Pâques est une date soulignée dans l'agenda des fêtes de l'année. Depuis plusieurs semaines, les moules sont quotidiennement travaillés pour donner vie à la tradition. Toutes les figurines de toute taille sont enduites au pinceau d'une couche de chocolat. Un chocolat noir aux origines tropicales venu de lointains pays. Cette première étape en négatif a pour objectif de remplir le relief des moules. Le côté compliqué, c'est déjà ce qu'on appelle la mise au point du chocolat. Donc le chocolat, pour pouvoir cristalliser dans un moule comme celui-ci, avant d'être appliqué, on lui fait subir une courbe de cristallisation. C'est un peu technique, c'est pour ça que souvent les ménagères ont du mal à réaliser ce genre de choses. Encore heureusement pour nous, chocolatiers. Donc on fait fondre le chocolat à peu près à 50-55 degrés, quand c'est du chocolat noir, comme celui-ci. On le redescend à 27-28 degrés et on le remonte à 31-32. Sans cette courbe de cristallisation, on ne peut pas faire cristalliser de chocolat. Il sera blanc, il sera tranché, granuleux. Donc si on veut avoir un bon résultat, on met déjà à point le chocolat. On lui fait subir une courbe de cristallisation. Ensuite, on l'applique une fine couche au pinceau. C'est ce qui va donner le brillant et qui va permettre de démouler donc, et avoir un sujet qui soit très très brillant. Donc on applique une fine couche de chocolat donc, dans ce moule. Et ensuite, on assemble, après avoir ébarbé le moule, on assemble les deux parties. Et ensuite, on le remplit entièrement de chocolat et on vide l'excédent. Et ça permet de laisser une couche suffisamment épaisse qui permettra au moulage de pouvoir se démouler facilement. Dans cette chocolaterie, 2500 kg de cacao sont nécessaires à la fabrication de 4500 figurines qui seront ensuite décorées et exposées en vitrine. Parmi ces figurines, aucune extravagance. La fête de Pâques demande un respect de la tradition. Écrit par les grands du polar. Souris Noire, votre nouvelle héroïne. Menez l'enquête avec elle dans Amuse 3, Souris Noire, tous les dimanches à 17h30 sur FR3. Attention, Souris Noire! Astronautes, le magazine de l'espace d'école avec Patrice Revet sur la 3. Interview des hommes de l'espace. Reportage sur la conquête du cosmos, jeux vidéo, super concours, méga revue de presse, nouveaux dessins animés inédits et tous les records du monde de l'espace. Patrice Drevet aux commandes d'Astronautes, tous les mercredis à 18h sur la 3. Maintenant, je vous propose de faire un tour en bateau avec nos amis Mickey, Donald et Pluto. Ce dessin animé réalisé en 1940 s'appelle Le remorqueur de Mickey. Alors attention, souk et ferme. Et oui, quand on fait du bateau, il faut effectivement s'attendre à tout. À présent, nous allons retrouver celui que vous attendez tous. Il s'agit bien sûr du Chevalier Lumière. Aujourd'hui, avec Drôle de Clochard. Ernie, qui vous le savez, a un grand cœur, se prend d'amitié pour un clochard nommé Maxwell. Enfin, je ne vais pas tout vous raconter, regardez. Tu es le dernier chevalier lumière. Je te donne ma puissance et ma connaissance. Tu dois poursuivre ta route, mais tu ne seras pas seul. Voici l'homme que j'ai choisi. La natation, le golf sont tous des sports individuels. Étudions maintenant un sport réunissant plusieurs athlètes à l'intérieur d'une même équipe. Le basketball.
Le basket est un jeu qui nous vient des États-Unis. Avant lui, le monde ressentait le désir de pratiquer un sport en salle susceptible de remplacer des sports de plein air tels que le football association ou le baseball. Mais les salles de culture physique étaient incapables de satisfaire ce désir avec leurs cours de gymnastique suédoise. Bientôt, l'ennui gagna les rangs des sportifs qui désertèrent. Et les gymnases eurent à faire face à une crise. Pour endiguer cette crise, on fit appel au nouveau jeu, comme on l'appelait alors. Un sport qui sortait de l'imagination fertile du docteur James Naismith, qui travailla pendant de longues semaines sur plans et sur croquis à en élaborer les règles. Tout d'abord, j'ai cherché à modifier les sports existants afin de les rendre praticables en salle. Le football américain, avec ses coups de pied, ses déboulés, ses plaquages, était trop violent. Le baseball, lui, était inapte à devenir un sport en salle. Toutefois, le ballon restait l'élément de base de tous les sports d'équipe. Mais comment se servir du ballon? Pour remplacer le jeu au pied, je songeais au jeu de main. Pour éviter la course et les plaquages, j'inventais le dribble. Restait le problème des normes du terrain et de la marque. Je pensais que les protagonistes auraient plaisir à envoyer un objet dans une cible. Mais quelle cible utiliser? Là, je me suis heurté à une difficulté majeure. Et puis, par le plus grand des hasards, j'ai découvert la solution. Un simple panier à papier. Et c'est de là que vient le nom de basketball, du mot anglais basket, panier. On désigna un préposé pour accrocher un panier contre la balustrade du gymnase et en retirer le ballon lorsqu'un panier était marqué. La chose se révéla plus ou moins impraticable. C'est alors qu'on perça un trou dans le fond du panier pour permettre au ballon de revenir en jeu de lui-même. Par la suite, on utilisa un panier tressé en fil de fer et en dernier lieu, on fixa un filet à une armature de métal comme nous le voyons de nos jours. Le basketball est à l'heure actuelle un des sports les plus répandus dans le monde. On compte, à la surface du globe, plus de 20 millions de joueurs, dont un grand nombre de fans. Et les règles de ce jeu ont été traduites en plus de 30 langues. Le basketball, qui a fait des débuts timides en 1892, a dû multiplier et agrandir gymnase et gradins pour recevoir les milliers de spectateurs enthousiastes, que dis-je fanatiques, qui suivent les championnats de leur équipe favorite. Mais entrons plus tôt et voyons comment on pratique ce sport. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Nous allons voir ce soir le match de basketball du siècle. Voici notre équipe qui vient d'entrer sur le terrain. Écoutez cette ovation. Et voici l'équipe adverse. Pour l'instant, les joueurs s'échauffent. Le match ne va pas tarder à commencer. Le basket attire les hommes de grande taille, grâce à laquelle il leur est facile de déposer le ballon dans le panier. Cet entraînement de dernière minute est très important pour les joueurs. Il stimule leur acuité visuelle, qui leur permet d'atteindre ce cher panier percé. Tout le monde est sur le pied de guerre. C'est le moment crucial. Les joueurs attendent avec anxiété le coup d'envoi. L'entraîneur donne ses dernières instructions au capitaine de l'équipe. L'arbitre s'empare du ballon. Les deux équipes se font face sur le terrain, prêtes à sauter. Suspense est à son compte. La balle est en jeu. Reeves dribble, trompe la défense, arrive sur le panier, shoot. Bravo, deux points. Et le cœur de notre équipe commence à saigner. Wright s'empare de la balle, passe à Banta, qui passe à Reeves, bien placé, qui passe à Gressé, Bird, Pete. L'œil professionnel de l'arbitre voit parfois des fautes que le spectateur n'a pas aperçues. Aussi, revoyons cette action du point de vue de l'arbitre. Ciblé dribble, il est marqué de très près. Il passe à Wright. C'est maintenant West qui a la balle, qui descend le terrain en dribble. Attention, coup franc. C'est Satter White qui va tirer le coup franc sous l'œil vigilant de l'arbitre qui veille à ce que le joueur soit bien derrière la ligne. Et il marque. Il envoie la balle à Ciblé qui dribble jusqu'à la ligne médiane. Il se retourne et passe à Tobleman qui va shooter. Et il... Non. Et il est en position de la balle, il shoot, la balle est bloquée. Hey!
Thank you.